Je vous reparle du projet de cette tour que l'Europe veut absolument construire à la rue de la Loi. Je vous montre ce bâtiment. Ce bâtiment appartient à l'Europe. Nous nous trouvons ici en bas à la chaussée des Turbets, qui est la rue de la Loi qui est devant nous. Et l'Europe, la Commission européenne, veut construire une tour pour mettre tous ses fonctionnaires, une tour de 150 mètres d'hauteur. Voilà. Il y aura 5000 personnes qui vont venir travailler, on ne sait toujours pas comment ils vont faire pour arriver là-bas, que ce soit en transport en commun, à pied ou en vélo. Il y aura 900 places de parking dans cette tour, on ne sait toujours pas comment ils vont y arriver. Quand on pose la question, ben on nous dit que ce n'est pas notre problème. Et donc, cette Commission européenne, qui est là, qui a une Cour européenne de justice, la Cour européenne de justice nous donne raison en disant que ce permis qui avait été donné n'était pas valable. Elle demande à la région, et la région lui accorde un nouveau permis, ainsi que M. Athénor, là, M. Fonville, pour construire ces deux tours, dont une déjà qui est normalement illégale, parce que le permis a été annulé par la Cour européenne et par le Conseil d'État. Mais voilà, hop, un petit coup de baguette magique, M. Athénor reçoit ses permis, alors que normalement ça ne devrait pas l'être, et la Commission européenne se permet de bafouer sa propre cour juridiction de justice. C'est incompréhensible et c'est scandaleux. Qu'est-ce que je peux vous dire, moi? Aidez-nous à contrer ce projet, parce que c'est franchement honteux.